something about a high-speed chase near Parker Square. Had all the hallmarks of Aiden Pierce. Are you with Nikki? Of course. We read it together, and I highlighted all your signature moves. She was quite alarmed. She doesn't seem to know you like I do. Just get her on the phone. No, no. The IP address. Yeah. Salut à tous, c'est Calderman, on se retrouve du coup pour la nouvelle mission. Cette fois-ci on va chercher Tyrone, tout simplement pour pouvoir rentrer dans les bâtiments et accéder à l'adresse IP. Donc avant ça, une petite discussion avec notre ami Damien. Now you understand why I need your help. Have you found a way in? I'm working on it. Let me talk to Nikki. Was that so painful? Aiden. Hey. We're getting close. You'll be home soon. What's going on? This guy talks like you two are friends. We're not friends. Not anymore. Nikki, just don't listen to his bullshit. You afraid he'll give up your secrets? I got no secrets. Seriously, Aiden? You expect me to believe that? I'm your sister. Well, shouldn't my sister be cutting me a little slack? Really? Oh, because I'm being held by your friend and you need a little slack. Well, it sounds worse when you say it like that. Aw, have I hurt your feelings? I forget what a sensitive boy you are. You know me. Heart on my sleeve. Fun's over, kids. I hope your plan's a good one. Nikki does too. Donc, après cette communication, on se rend bien compte que Damien, il lui fait pas de mal à Nikki. On voit dans sa voix, elle parle relativement calmement, elle a pas l'air très très stressée. Donc ça va, on n'est pas non plus dans l'urgence. Ici, une mission où on va devoir une nouvelle fois utiliser les caméras. Franchement, cette mission, moi elle me gonfle, hein, je le dis clairement. Ah non, elle est vraiment chiante. On va devoir suivre Tyrone. D'abord on va accéder, on va aller chez lui. Ensuite on va... Oh, vous allez voir, franchement... une fois chez lui, il faudra le suivre tout doucement. Et ensuite l'aider, etc. Enfin non, franchement, cette mission, moi elle me gonfle. Rien que d'en parler déjà, je peux vous dire, c'est compliqué. Donc il nous faut ce type là et... vous allez voir. Donc on va rentrer chez lui. Donc plus sérieusement, on va rentrer chez lui et on va pouvoir accéder à son téléphone, mettre un espèce de petit radar. Lui, je crois qu'il est un peu plus compliqué que les autres. Alors attendez que je réfléchisse deux secondes. Je peux vous dire, c'est pas facile de réfléchir en même temps. Voilà, d'abord faut accéder à lui. Et ensuite à lui. Voilà, c'est fait. Attendez, je réfléchis en même temps. C'est pas évident. Donc lui, ça sera à la fin, il me semble. Voilà. J'essaie de me concentrer deux secondes. Je crois que c'était bon en plus. Bon, est-ce que je vais y arriver? Donc lui, il faut que ça soit là-haut. Là. Ah, c'était bon. Voilà. Ici, c'est bon. Et il suffit de tourner celui-là. Et voilà. Faut installer le traceur. On va pouvoir intercepter toute sa communication pour le tenir un peu en entrailles, je sais plus. En tout cas pour le, c'est la fatigue on va dire. C'est pour en fait tout simplement le capter toute cette communication et voir si à un moment donné il va faire une erreur et grâce à cette erreur on va pouvoir le maintenir dans le caca. Je trouve plus mes mots, c'est une catastrophe. J'espère que vous n'êtes pas trop sensible au parler bien, parce que là, aujourd'hui, c'est pas terrible.
grandma. Love you. Même si t'es un couillon. Mais oui, t'es un gros couillon. On a chopé ton téléphone. Donc là, faut le suivre. Alors faites gaffe, parce que moi, je me suis fait piéger une ou deux fois. De ne pas trop être près trop de lui. Donc on va prendre la voiture rouge, là. Parce que quand vous allez... Il va monter dans la voiture. Quand vous allez accélérer, là, vous pouvez foncer dans la voiture. Et c'est ce que j'ai fait une fois. Je peux vous dire, j'ai foncé, mais comme un taré. Et du coup, forcément, je me suis fait repérer. Enfin, normal. Voilà, là, j'avais avancé. Et boum, j'avais tapé contre le pare-choc. Donc là, mettez-vous à une distance raisonnable. C'est pas loin, c'est juste à côté. Seulement, ce qui va être pénible, c'est qu'il va rentrer dans la zone rouge. Nous, on pourra pas rentrer dans cette zone-là. Du coup, on va devoir faire le tour sur la droite en gardant la caméra fixée sur lui. Sachant que vous avez à peu près 20 secondes, il me semble, de non-visibilité. Ce qui reste tout à fait correct. Voilà, donc là vous vous mettez sur la droite. Il faut absolument garder la caméra sur lui. Parce que vous ne pouvez pas rentrer dans le carré rouge, sinon vous vous faites choper direct. Voilà, donc là avancez un peu. Et dès que vous le voyez plus, ça va se déclencher normalement. Non, bah écoutez, ça s'est même pas déclenché. Donc c'est pour dire, comme ils sont gentils. Vous vous mettez tranquillement là et vous le suivez. Vous le suivez pas d'ailleurs parce que c'est un truc rouge. Vous continuez sur cette route. Voilà, on a 20 secondes, c'est pas un problème, je veux dire, regardez. Hop, à partir de maintenant, ça y est, je le vois. Et là, vous vous arrêtez, parce qu'il va passer devant, donc pas prendre de risque. Voilà, donc là, on est arrivé. À partir d'ici, on peut descendre de la voiture. Attention à ces trucs sur la droite là qu'on voit. Si vous vous appuyez dessus, ça là, ces trucs. Si vous vous appuyez dessus, ça se casse. Et moi je me suis fait piéger une fois, c'est-à-dire que j'étais par exemple... attendez. Attends, je vais mettre là dans un premier temps, voilà. Voilà, il est là. Je m'étais appuyé sur ces trucs blancs et derrière il y a des gardes et je me suis fait choper comme ça. Donc vous allez là. Attention parce qu'il y a un ennemi juste ici, donc... Hop, vous mettez là. Ah, il y a une position qu'il n'avait pas avant, celle-là. Bon, c'est pas très grave. Alors, de toute façon, ce qu'on va faire, c'est que vous voyez, il y a des caméras. Donc, nous, on va se mettre derrière le camion. Hop. On va se mettre derrière le camion et on va plus bouger. C'est les caméras qui vont faire le boulot. Après, il faut juste trouver des caméras. Je sais qu'il y en avait une juste au-dessus. Alors, elle est où, cette caméra? Elle est là. J'espère qu'on va pouvoir accéder à mes nouvelles. Oui, une là-bas, voilà. Donc tournez-vous de ce côté. Donc je suis content, ça se fait assez vite. J'espère qu'il va continuer à tracer comme ça. Parce que si vous vous mettez ailleurs que derrière le camion, ici il y a un garde à gauche. Et il y en a un autre en fait qui va avancer par la petite route. Donc vous voyez d'aller de la maison là, il va avancer. Si vous vous mettez par exemple vers la petite cabane en bas à gauche, et ben il vous chope. Le seul endroit où il vous chopera pas, c'est derrière le camion. Vous êtes en sécurité. Vous voyez, il avance là, donc... il va aller plus loin, donc... ça sert à rien de... Derrière le camion, c'est tranquille. Donc là, il va avancer. On peut changer de caméra si vous voulez. Pour essayer d'en avoir d'autres. Si vous le perdez, c'est pareil. Simplement, faut tourner la caméra. C'est des caméras faciles parce qu'on le voit, on le voit à travers. Donc, voilà, on peut prendre la caméra ici. Je vous dis, c'est un peu long, mais encore là, je trouve qu'il va assez vite. Hein. C'est pas mal.
got that dough on you? Always. Why? Now, this gonna cost you, but it's worth it, trust me. Yeah, we'll see about that. Allez, garçon. C'est bon. Donc là, on apprend que quelqu'un lui veut forcément du mal, mais en tout cas, il demande d'avoir s'il a du cash sur lui, que ça va être cool et tout. Ça sent le braquage quand même. Si quelqu'un vous fait ça dans la rue, vous recevez un coup de fil et tout ça, bon bah. Courez, partez en courant. Donc là, c'est bête parce qu'il est juste là et on me dit que je ne le vois pas, mais c'est pas très très grave. Faut pas se précipiter dans ces cas-là, faut juste regarder où sont les caméras. Voilà donc, voici notre agresseur. Donc il faut pirater ici, hop, comme ça, ça lui sauve la mise à celui de gauche. Donc on a aidé Rabbit à s'échapper et maintenant faut l'appeler. Notre plan a un peu changé parce que maintenant on va essayer de le sauver parce qu'il sait pas mal de choses visiblement. Et on va essayer justement qu'il s'en sorte en vie pour connaître ce qu'il sait. Donc vous faites attention, maintenant il n'y a pas. Je vais vous montrer le chemin. C'est un chemin parfois un peu compliqué. Voilà, donc là plutôt tranquille. Faut juste faire qu'il fasse le tour. De toute façon, qu'il se fasse choper ou pas, franchement, c'est pas très grave. Ça change même rien, parce que la mission reste la même. Donc là, j'ai une mauvaise caméra. Voilà, il se met derrière le caméra. Bon, il se fait choper. Franchement, c'est pas grave, ça change rien. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que nous, notre objectif, ça va être de pirater et on va savoir. Donc, si vous voulez vous amuser, moi, je m'amuse pas à ça. Déjà, cette mission, elle me gonfle, donc... Alors, comme d'habitude, essayez de viser la tête. Ils sont pas très résistants comme vous pouvez voir. Alors je me fais tirer de l'autre côté. Je vous conseille très honnêtement de faire ça car moi cette mission comme je vous ai dit, je la trouve pas. Donc il ne reste plus qu'à quitter la zone tranquillement. Rien à craindre ici. Et on aura fini la mission. Je peux vous dire, pour le faire sortir,
C'est pas évident, c'est pas passionnant. C'est pour ça que moi je trouve que c'est mieux de s'amuser à tirer un peu sur les individus. Voilà, donc on va essayer de trouver maintenant. On va essayer de retrouver notre ami le gros bonhomme. Bedbug, voilà. Iraq won't just save face, he'll embrace the kid. Show him off. Voilà, donc la mission est terminée. On se retrouve du coup pour le trouble fait. Bah écoutez, je vous remercie et à tout de suite. Salut à tous, c'est Calderman. On se retrouve du coup pour la nouvelle mission. Cette fois-ci, on va chercher Tyrone, tout simplement pour pouvoir rentrer dans les bâtiments et accéder à l'adresse IP. Donc, avant ça, une petite discussion avec notre ami Damien. Let me talk to Nikki. Was that so painful? Aiden. Hey. We're getting close. You'll be home soon. What's going on? This guy talks like you two are friends. We're not friends. Not anymore. Nikki, just don't listen to his bullshit. You afraid he'll give up your secrets? I got no secrets. Seriously, Aiden? You expect me to believe that? I'm your sister. Well, shouldn't my sister be cutting me a little slack? Really? Oh, because I'm being held by your friend and you need a little slack. Well, it sounds worse when you say it like that. Aw, have I hurt your feelings? I forget what a sensitive boy you are. You know me. Heart on my sleeve. Fun's over, kids. I hope your plan's a good one. Nikki does too. Donc, après cette communication, on se rend bien compte que Damien, il lui fait pas de mal à Nikki. On voit dans sa voix, elle parle relativement calmement, elle a pas l'air très très stressée. Donc ça va, on n'est pas non plus dans l'urgence. Ici, une mission, on va devoir une nouvelle fois utiliser les caméras. Franchement, cette mission, moi elle me gonfle, hein, je le dis clairement. Ah non, elle est vraiment chiante. On va devoir suivre Tyrone. D'abord, on va accéder, on va aller chez lui. Ensuite, on va. Oh, vous allez voir. Franchement, une fois chez lui, il faudra le suivre tout doucement. Et ensuite, l'aider, etc. Enfin, non, franchement, cette mission, moi, elle me gonfle. Rien que d'en parler, déjà, je peux vous dire, c'est compliqué. Rouge là. Parce que quand vous allez. Il va monter dans la voiture. Quand vous allez accélérer là. Vous pouvez foncer dans la voiture et c'est ce que j'ai fait une fois. Je peux vous dire, j'ai foncé mais comme un taré. Et du coup, forcément, je me suis fait repérer. Enfin, normal. Voilà, là, j'avais avancé. Et boum, j'avais tapé contre le pare-choc. Donc là, mettez-vous à une distance raisonnable. C'est pas loin, c'est juste à côté. Seulement, ce qui va être pénible, c'est qu'il va rentrer dans la zone rouge. Nous, on ne pourra pas rentrer dans cette zone-là. Du coup, on va devoir faire le tour sur la droite en gardant la caméra fixée sur lui. Sachant que vous avez à peu près 20 secondes, il me semble, de non-visibilité. Ce qui reste tout à fait correct. Voilà, donc là vous vous mettez sur la droite. Et il faut absolument garder la caméra sur lui. Parce que vous ne pouvez pas rentrer dans le carré rouge, sinon vous vous faites choper direct. Voilà. Donc là, avancez un peu. Et dès que vous ne le voyez plus, ça va se déclencher, normalement. Non, bah écoutez, ça s'est même pas déclenché. Donc c'est pour dire, comme ils sont gentils.
Vous vous mettez tranquillement là et vous le suivez. Vous le suivez pas d'ailleurs parce que c'est un truc rouge. Vous continuez sur cette route. Voilà, on a 20 secondes. C'est pas un problème, je veux dire, regardez. Hop, à partir de maintenant, ça y est, je le vois. Et là, vous vous arrêtez parce qu'il va passer devant, donc pas prendre de risque. Voilà, donc là on est arrivé. À partir d'ici, on peut descendre de la voiture. Attention à ces trucs sur la droite là qu'on voit. Si vous vous appuyez dessus, ça là, ces trucs. Si vous vous appuyez dessus, ça se casse. Et moi je me suis fait piéger une fois, c'est-à-dire que j'étais par exemple... attendez. Attends, je vais mettre là dans un premier temps, voilà. Voilà, il est là. Je m'étais appuyé sur ces trucs blancs et derrière il y a des gardes et je me suis fait choper comme ça. Donc vous allez là. Attention parce qu'il y a un ennemi juste ici, donc hop, vous mettez là. Ah, il y a une position qu'il n'avait pas avant celle-là. Bon, c'est pas très grave. Alors de toute façon, ce qu'on va faire, c'est que vous voyez, il y a des caméras. Donc nous, on va se mettre derrière le camion. Hop. On va se mettre derrière le camion et on va plus bouger. C'est les caméras qui vont faire le boulot. Donc il nous faut ce type là et vous allez voir. Donc on va rentrer chez lui plus. Donc plus sérieusement, on va rentrer chez lui et on va pouvoir accéder à son téléphone, mettre un espèce de petit radar. Lui, je crois qu'il est un peu plus compliqué que les autres. Alors attendez que je réfléchisse deux secondes. Je peux vous dire, c'est pas facile de réfléchir en même temps. Voilà, d'abord faut accéder à lui et ensuite à lui. Voilà, c'est fait. Attendez, je réfléchis en même temps. Pas évident. Donc lui, ça sera à la fin, il me semble. Voilà. J'essaie de me concentrer deux secondes. Je crois que c'était bon en plus. Bon, est-ce que je vais y arriver? Donc lui, il faut que ça soit là-haut. Là. Ah, c'était bon, voilà. Ici c'est bon, et il suffit de tourner celui-là, et voilà. Faut installer le traceur. On va pouvoir intercepter toute sa communication pour le tenir un peu en entrailles, je sais plus. En tout cas pour le. C'est la fatigue, on va dire. C'est pour en fait tout simplement le capter toute cette communication et voir si à un moment donné il va faire une erreur et grâce à cette erreur on va pouvoir le maintenir dans le caca. Je trouve plus mes mots, c'est une catastrophe. J'espère que vous n'êtes pas trop sensible au parler bien parce que là aujourd'hui c'est pas terrible. Même si t'es un couillon. Eh oui, t'es un gros couillon. On a chopé ton téléphone. Donc là, faut le suivre. Alors faites gaffe, parce que moi, je me suis fait piéger une ou deux fois. De ne pas trop être près trop de lui. Donc on va prendre la voiture. Voilà, donc voici notre agresseur. Iraq is your fucking problem. I
And then tell me what you know. This better be good. Look, it's simple. They gonna call you down to the bricks, and then they gonna kill you. That's bullshit, man! Whoa! Hey, hey! What are you doing, man? Donc il faut pirater ici, hop, comme ça, ça lui sauve la mise à celui de gauche. Donc on a aidé Rabbit à s'échapper et maintenant faut l'appeler. Notre plan a un peu changé parce que maintenant on va essayer de le sauver parce qu'il sait pas mal de choses visiblement. Et on va essayer justement qu'il s'en sorte en vie pour connaître ce qu'il sait. Donc vous faites attention, maintenant il n'y a pas. Je vais vous montrer le chemin. C'est un chemin parfois un peu compliqué. Voilà, donc là plutôt tranquille. Faut juste faire qu'il fasse le tour. De toute façon, qu'il se fasse choper ou pas, franchement, c'est pas très grave. Ça change même rien parce que la mission reste la même. Donc là, j'ai une mauvaise caméra. Voilà, il se met derrière le camion. Bon, il se fait choper. C'est, franchement, c'est pas grave, ça change rien. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que nous, notre objectif, ça va être de pirater et on va savoir. Donc, si vous voulez vous amuser, moi, je m'amuse pas à ça. Déjà, cette mission, elle me gonfle, donc... Après, il faut juste trouver des caméras. Je sais qu'il y en avait une juste au-dessus. Alors, elle est où, cette caméra? Elle est là. J'espère qu'on va pouvoir accéder à des nouvelles. Oui, une là-bas, voilà. Donc tournez-vous de ce côté. Donc je suis content, ça se fait assez vite. J'espère qu'il va continuer à tracer comme ça. Parce que si vous vous mettez ailleurs que derrière le camion, ici il y a un garde à gauche. Et il y en a un autre en fait qui va avancer par la petite route. Donc vous voyez d'aller de la maison là, il va avancer. Si vous vous mettez par exemple vers la petite cabane en bas à gauche, et ben il vous chope. Le seul endroit où il vous chopera pas, c'est derrière le camion. Vous êtes en sécurité. Vous voyez, il avance là donc... Et il va aller plus loin, donc ça sert à rien de... Derrière le camion, c'est tranquille. Donc là, il va avancer. On peut changer de caméra si vous voulez, pour essayer d'en avoir d'autres. Donc. Si vous le perdez, c'est pareil. Simplement, faut tourner la caméra. C'est des caméras faciles parce qu'on le voit, à travers. Donc, voilà, on peut prendre la caméra ici. Je vous dis, c'est un peu long, mais encore là, je trouve qu'il va assez vite. Hein. C'est pas mal. Allez garçon, c'est bon. Donc là on apprend que quelqu'un lui veut forcément du mal, mais en tout cas il demande d'avoir s'il a du cash sur lui, que ça va être cool et tout, ça sent le braquage quand même. Si quelqu'un vous fait ça dans la rue, vous recevez un coup de fil et tout ça, bon bah courez, partez en courant. Donc là c'est bête parce qu'il est juste là et on me dit que je ne le vois pas, mais c'est pas très très grave. Faut pas se précipiter dans ces cas-là, faut juste regarder où sont les caméras.